Bon, bah, on va se présenter à deux. Je pense que c'est exceptionnel pour un pitch parce que nos deux outils servent un simultané. Et bah, je vais te laisser commencer parce que chronologiquement, c'est plus logique. Bonsoir, je suis Sylvie Blanc. Alors, je suis sur le fascicule, mais c'est mon ancienne activité, du moins, je la fais encore, mais je vais manger. Sylvie Blanc, maintenant, ça s'appelle Fleur de Vie. Vous retrouvez ça comme ça. C'est pas... Et je m'occupe du passé, c'est-à-dire que mon objectif est d'aider les personnes à se reconnecter à eux-mêmes, à elles-mêmes, et pour cela, en libérant le passé avec les constellations familiales individuelles. C'est une thérapie de psychoanalogie, une fois qu'on l'a dit, c'est bon, de psychoanalogie qui permet de libérer les poids du passé. Vous savez, les ancêtres, ils nous ont transmis des cadeaux, mais certains sont empoisonnés. La psychoanalogie permet ceci. Donc moi, je m'occupe du passé, elle de l'avenir. Alors moi, c'est Edwige Montoya, je suis soignante de métier, thérapeute en médecine chinoise traditionnelle et réflexologue. Et dans l'art chinois, il y a le Yi Jing qui, lui, s'occupe du futur. C'est-à-dire que quand vous avez des questions, des choix à faire, on interroge le Yi Jing, comme à l'ancienne en fait. Et ça permet de vous aider à vous projeter dans le futur et à vous aider dans vos choix. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est complémentaires, parce qu'elle s'occupe du passé et moi je m'occupe du futur. Donc quand on a des nœuds vraiment à défaire, des blocages à faire sauter, ben, on travaille toutes les deux sur ces deux secteurs-là. C'est intéressant d'avoir les deux niveaux. Et en commun, qu'est-ce qu'on a? Oui, en commun, on fait des cercles de parole et des ateliers aussi. Dans moi, on a lieu de mer, par exemple, sur Montpellier aussi. Si ça vous intéresse, on vous donnera l'info exacte. Et on va traiter de divers sujets qui nous concernent dans nos fonctions thérapeutiques, hein, ou de la vie de tous les jours, des sujets à travailler. Ça fait une minute? Oui, voilà. Ça fait même deux.